Il y a monsieur Baudel. Bonjour, après. Madame Baudel. Voilà. Monsieur, madame Baudel. Merci à tous ceux qui sont présents. Si vous voulez bien vous rapprocher un petit peu, qu'on soit tous sur la même photo. Le rassemblement sera bref. Les cours recommencent à 13h. Voilà, donc merci beaucoup d'être venus. Et donner la parole pour commencer à quelqu'un des enseignants du collège. Ensuite, on aura une prise de parole pour la section syndicale issue de l'établissement. Et puis, quelqu'un normalement pour les parents d'élèves. Avec... En décembre 2020, nous avons appris avec consternation que la maman de Damien, élève de 5e au collège de Jeanne, recevait une obligation de quitter le territoire français. Aux yeux de la préfecture, Damien et sa famille ne seraient pas suffisamment bien intégrés et n'auraient pas d'attache en France. Cette décision est injuste et nous la contestons. Damien est apprécié de ses camarades et de tous les personnels. Tous les enseignants et toutes les enseignantes qui la connaissent peuvent témoigner que Damien est une élève brillante, volontaire, souriante, fortement investie dans sa scolarité et dans la vie du collège. Fait preuve de qualité et d'une motivation exemplaire. Il serait cruel et révoltant de la priver du droit de poursuivre sa scolarité dans les meilleures conditions, parmi ses amis et avec le soutien des enseignants et des enseignantes qui la connaissent et l'apprécient. Elle doit pouvoir continuer à étudier parmi nous avec sérénité et sans crainte pour son avenir. Nous demandons à la préfecture de faire preuve d'humanité et de lever définitivement la menace d'expulsion pèse sur Damien et sa famille. Le cas de Damien et de sa famille n'est malheureusement pas isolé, et aujourd'hui, de nombreux élèves se trouvent dans une situation similaire. Il n'y a qu'en se mobilisant que nous réussirons à nous faire entendre. Merci à chacun d'entre vous d'être présent aujourd'hui. Je laisserai la parole à la FCPE, la Fédération de parents d'élèves. Donc, comme l'a dit Rachel, je voudrais rappeler que le cas de Dania n'est malheureusement pas isolé. Des centaines d'élèves se retrouvent chaque année dans la même situation, menacés de perdre leurs amis et d'interrompre leurs études, menacés d'être renvoyés dans un pays qu'ils ne connaissent pas toujours. Ils sont placés dans une situation d'insécurité qui constitue déjà une atteinte au droit à l'éducation. Comment peut-on étudier la peur au ventre ? Nous refusons le gâchis que représente l'expulsion de jeunes en cours de formation dans l'éducation nationale. C'est une insulte à notre mission de service public. En témoignent les multiples mobilisations de solidarité à l'initiative des enseignants et des enseignants ces dernières années, notamment en lien avec le réseau Éducation sans frontières. Pour nous, tous les jeunes scolarisés ont le droit de poursuivre leurs études dans des conditions normales. Ils ont grandi ici. Leur place est ici. Nous demandons la fin des politiques qui stigmatisent les étrangers et la régularisation de toutes les familles de sans-papiers. La FCPE défend depuis toujours avec fierté les valeurs de la République. C'est aujourd'hui le cœur serré qu'on apporte avec ferveur notre à Dania et Tahar, ainsi qu'à leur maman. Assez de vies brisées, de familles séparées, pour répondre à des chiffres et à des lois déshumanisées. Dania et Tahar n'ont connu que l'école française. Ils sont pleinement devenus élèves, camarades de classe, futurs citoyens. Ils partagent le groupe l'effort de la solidarité avec leur maman. Ils sont brillants, appréciés et en pleine réussite. J'appelle mon pays à montrer ce qu'il a de plus bon en lui, la fraternité, la solidarité, la dignité et la vraie volonté d'offrir à cette famille des lendemains sereins parmi leurs amis, leurs voisines et leurs voisins, leurs camarades de classe, leurs professeurs, parmi nous toutes et tous qui avons le privilège de les connaître. Hervé pour le MRAP qui est vraiment très satisfait de voir.
d'évaluation puisse se tenir en temps record. Donc, évidemment, pour Assia, ses enfants, et pour toutes les autres familles qu'on accompagne, on ne lâchera rien. Alors, vis-à-vis de la situation d'Assia, savoir ce que nous avons déposé, enfin, elle a déposé avec le syndicat, un recours juridique. Pour l'instant, ça protège, elle et ses enfants, d'une expulsion. Ce recours juridique, malheureusement, ne sera statué que dans 2, 3 ou 4 mois. Pendant ce temps, elle est obligée, la maman est obligée de se présenter toutes les semaines au commissariat. Donc là aussi, Assia terminera. Et au fond, pendant ce délai d'attente interminable, au cas où notre mobilisation ne suffira pas, nous donnons tous nos moyens pour le soutenir, ainsi que pour d'autres individus. Alors, on a une préfecture particulièrement inhumaine, farouche, et on déplore pratiquement au quotidien sur le bassin ce qu'on appelle des OQTF. Et aujourd'hui, et plus en particulier, des jeunes mineurs, quand ils arrivent à la majorité, se voient presque systématiquement opposés à eux. Et là aussi, notre association entraîne complètement. Donc, je suis vraiment satisfait qu'on puisse se rejoindre avec d'autres. Donc, je remercie en particulier les syndicats enseignants et aussi tous les soutiens associatifs et politiques qui sont là présents. C'est un présage de belles luttes et notre printemps sera beau. Personne n'est illégal. C'est faux. Égal, personne n'est illégal. Et vous, égal, personne n'est illégal. Et vous, égal, personne n'est illégal. Et vous, égal, personne n'est illégal. Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les sans-papiers. Troisième génération, et nous sommes tous les enfants du libéré. Troisième génération, nous sommes tous les enfants du libéré. Troisième génération, nous sommes tous les enfants du libéré. Troisième génération. Alors, je vais passer la parole aux élèves. Dania, on la connaît depuis assez longtemps, quasiment un an, et elle a toujours bien travaillé, donc on voit pas vraiment. Enfin, c'est assez injuste qu'elle parte. C'est notre amie, voilà. Et on veut qu'elle reste avec nous. Des informations importantes pour compléter la mobilisation et le soutien à la famille Pénis. Une pétition a été lancée qui a déjà recueilli 400 signatures. Vous pouvez la trouver sur le site change.org. Elle est intitulée Soutien à la famille Pénis. Nous voulons garder la famille Pénis. Change.org, nous voulons garder la famille Pénis. N'hésitez pas, faites circuler, signez-la.